Les candidats à la chancellerie allemande battent campagne en vue des élections du 22 septembre. Le social-démocrate Peer Steinbrück défie l'actuel chef du gouvernement Angela Merkel. Selon les sondages, c'est la justice sociale, son thème de prédilection, qui est sa seule chance de l'emporter. Il en a donc profité à l'occasion du 150e anniversaire de son parti. Je veux être chancelier parce que l'inaction de ce gouvernement fragilise notre pays, dit-il. Il n'y a pas assez d'investissement pour le futur. Il se contente d'administrer l'Allemagne sans le gouverner politiquement. La chancelière sortante, qui brigue un troisième mandat, rappelle évidemment les avancées de la République fédérale ces dernières années, sans oublier de mettre l'accent sur le poids de l'Allemagne sur la scène internationale. Il y a 10 ans, l'Allemagne était malade, le malade de l'Europe, dit-elle. Nous avons beaucoup changé. Aujourd'hui, nous sommes l'ancre qui stabilise l'Europe, le moteur de sa croissance, et nous voulons continuer à l'être. Nous ne devons en aucun cas mettre ce rôle en péril. Un danger constitué, selon Angela Merkel, par l'éventuelle arrivée au pouvoir de ses rivaux, capables de former une coalition avec la gauche et l'extrême gauche pour gagner la chancellerie.